Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. D'après nos informations, ce serait donc un 4-4-2. Qu'en pensez-vous, Darren ? Ah, mais c'est le système tactique de l'âge d'or du football anglais. Alors là, soit vous jouez le bon vieux kick and rush, soit vous vous appuyez sur vos latéraux. Dans ce cas-là, l'idée n'est pas seulement qu'ils montent pour centrer, mais qu'ils occupent bien le L. Ok, c'est parti. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Je vote Antoine Griezmann. J'adore cet ailier. Comme il repique pour affoler les défenses, quelle vitesse! C'est un futur très grand. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Il joue sur sa gauche. Rabiot. Rabiot qui cherche une solution. Ça sent la frappe. C'est une occasion, ça. Griezmann qui choisit le côté gauche. Oh, le bon ballon. Le soutien derrière lui. C'est bien donné. C'est bien fait. Il tire. But pour la France. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Oh, il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Giroud. Un long ballon vers l'avant. Il allonge le jeu. Long ballon dans le sens du jeu. Kimpembe, belle intervention. Pavard. Pavard qui a un peu d'espace. Griezmann. Griezmann qui choisit de jouer en retrait. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Rabiot. Bien servi. Va-t-il en profiter? Il rejoue derrière lui. La frappe! Ils s'en sortent. Il cherche son coéquipier. Quel timing dans l'interception. Il est bien placé. Il ne résiste pas au contact. Oui, ça pouvait être donc la fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'ils continuent comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment.
Une très longue passe. L'interception au bon moment. Kanté. Ça joue long vers l'avant. Mbappé qui écarte le jeu. Rabiot. Griezmann. Oh, il faut s'appliquer sur ses gestes. Un peu de coaching, c'est bien. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il décide d'allonger le jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Griezmann. Rabiot. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? C'est toujours accroché. Attention la frappe! C'était presque au fond! Eh ben dis donc, c'était chaud! La Hongrie qui procède à un autre changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Kanté. Giroud. La qualité du marquage est à souligner quand même. C'est logique, c'est lui qui apporte de la créativité à leur jeu. Sans lui, ils sont forcément un peu moins dangereux. La passe est précise. Griezmann. Oh, un bon centre. Oh, la tête plongeante. Et c'est un but. Il croque maintenant une avance de 2 buts. Magnifique tête plongeante. Oui, il n'a pas eu quoi à dire. Les superbes coups de tête, c'est bon ça. C'est reparti sur ce score de 2-0. Giroud. Kanté. La France qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Ça peut partir en contre. Il a un peu de liberté. En retrait pour repartir proprement. Il cherche ses attaquants. Oh, s'il réussit son contrôle. Pogba. Pavard. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous, à très bientôt, salut. Mais c'est moi qui vous remercie.